Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite de Conjamge, où on était arrivé juste avant que je lance la vidéo, j'ai vu un truc bouger là-bas. Donc on était arrivé dans le grand magasin. Je suis un peu perdu, hein, parce que merde. Alors, c'est hyper crépi. J'avais balancé un cadeau, je me rappelle là-dedans aussi. Mais qu'est-ce que je fais? Avance. Et je sais même plus pourquoi on est venu ici. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je sais pas où. Est-ce qu'il y a des trucs. Plus j'ai qu'un bras. J'ai un bras de mannequin. C'est vraiment creepy, hein. C'est. Ah! Un oiseau mort. Oui. Oui. C'est vraiment hyper. Toi! Hyper creepy. Une porte! Une fausse porte. Je. Ah! Quoi? Longtemps que j'y ai pas joué, du coup, j'ai un peu peur. Faut que j'arrive à me remettre dans le bain. Putain, mais il est où, quoi? J'entends son souffle pratiquement dans mon dos et il est pas là. Ah! Oh! Il est là, il est là, il est là. Je l'ai vu. Yves, va-t'en. Non, genre, c'est plus les pigeons voyageurs, c'est des mecs qu'on m'envoie maintenant, c'est magnifique. Ah, il est là. Pourquoi la vitre s'est pétée? Oh non, regardez, mon bras il est tout haché maintenant. Oh, j'arrive plus à parler. Quel travail de cochon. Travail de cochon. Ah, en fait, c'était juste pour que je passe. La vitre s'est pétée toute seule, elle est gentille. J'aimerais bien trouver. Attendez, il avait quoi comme arme, l'autre? Ouais, je suis désolée, je suis chiante. Je peux pas? Ah, si. Barre de renfort. Ça fait plus de dégâts apparemment. Donc, prends la barre de renfort. Ok. J'ai de la vie. Ah! Il y en a encore. Je sais pas si je la prends ou pas. Ouais, je sais pas si je vais repasser par là, donc on va la prendre. Hein. On va la prendre. Oh putain! Ah! Quoi? Oh putain! Oh putain! Il est armé. Ouais, j'allais dire, mon nom m'a fait peur, mais j'ai pas eu le temps de le dire, du coup. Merde, 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 c'est pas cool, ça. Déplace objet. Ah. Déplace objet. T'as rien sur toi, toi? Bon, attention, il y a un mec armé. Ils sont où? Salut? Ça va? Bon, d'accord. C'est stressant parce qu'on les entend, mais on les voit pas. Bâton boulonné, non. Vu que l'endroit est grand, du coup ça me stresse. Ah! Oh! Il est armé, cours! Je crois que c'est lui qui a le flingue. J'aimerais fortement un flingue. Ah, y a un oiseau mort! Je l'ai vu! Je sais pas où je vais, hein, je vous préviens. Sauvegarde. Ah, j'aurais peut-être dû rester en bas pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Attendez. J'espère que je vais pas me faire tirer comme un lapin. Comme un lapin. Hein? Attendez, mais je viens d'où? Ah non, mais en fait, il y avait rien d'autre. Ok. Oh putain. C'est flippant. Vous êtes moche! Pardon.
C'est marrant, le mannequin vient de faire du bruit là. Elodie, il a perdu sa tête. Oh putain, je crois que c'était un vrai mec en fait. Oh non, quoi! Ah, lui, il est carrément le bonnet de Noël! T'es un fou, mec! Regardez, c'est le Père Noël! Ça va, c'est le Père Noël! Regardez! C'est le Père Noël! Ta gueule! Ah! Oh! Oh putain, il fait mal, lui! Laser! T'es déguisé en Père Noël! Je suis traumatisé à vie! C'est quoi ça? Oh! Bim! Ou alors toi, t'as rien eu le temps de faire. Non mais... Oh. Putain, et du coup... Oh non, mais du coup, je vais avoir super peur des mannequins maintenant. Est-ce que c'est des vrais gens ou pas? Putain, les pièces métalliques, j'arrive pas à les trouver. Oh, ça c'est cool. Attendez, je vais faire un petit tour pour voir si j'ai rien loupé. Je suis choquée. Un hippie qui se met en Père Noël, quoi. Y'a rien de plus flippant, je crois. Mais du coup, ouais... Enfin, ça, c'est le début. J'ai rien oublié. Je peux pas... Non, je peux pas descendre. Du coup, ouais, j'ai intérêt à bien vérifier tous les mannequins. Ça va être stressant. Leave me alone. C'est ce qu'il a dit, non? Oh, putain. Oh, putain. Inspecter... Non, mais attendez, c'est des... vrais mecs, ou... Ramasser, bref, non, ça c'est un mannequin. Ça c'est un mannequin. Je crois que c'est un mannequin. Non, ça, je crois que c'est tous des mannequins, c'est bon. C'est quoi que je dois inspecter, c'est ça? Quand vous serez prêt. Ah ouais. Oh putain, trop forte. Non mais, non. Attendez, je sais plus utiliser mon truc. Comment on fait déjà? Voilà, c'est bon. Pif! Image reçue. C'est une empreinte de main droite à laquelle il manque un index. Elle correspond à celle que nous avons trouvée sur l'une crime. J'ai procédé au traitement de toutes les empreintes et celle que vous avez trouvée sur le magnétoscope de la station de métro ne correspond pas à la même main, Thomas. Oh merde, il y a deux mecs alors. Putain, il faut flipper, c'est vrai. Mannequin. J'ai des frissons du coup. What? Je dois encore inspecter? Ah ouais, ouais, ouais. Mim. Petite image. Imaginez en vrai le gars qui prend plaisir à prendre des photos comme ça. Oh! Hey! Arrête de parler, je m'en flingue! Fouiller le grand magasin pour retrouver le corps. Du coup, je vais pas écouter ce qu'elle a dit. C'est pas grave. Elle est où? Elle venait là. Elle venait... Ah! Elle venait de là. Y'a rien ici. Ah! Oh! Ouais, mais j'ai un flingue. Je vais garder mon flingue. Sauvegarde! Bam! Une balle. Putain, c'est trop bizarre comme elle est habillée. Je crois que j'ai jamais vu c'est... Ah, mais regardez sa peau, on dirait qu'elle est craquelée ou je sais pas quoi. C'est trop bizarre. Oh putain. Non mais, maintenant j'ai trop les boules des mannequins, quoi. Allô? Suis-je toute seule ici? Leave me alone. Non, c'est des mannequins, ça. Ça, c'est des mannequins. Je crois que ce sont tous des mannequins. Mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Qu'est-ce que... Pourquoi vous êtes là? J'ai pas eu un bruit là. Ok. Inspecter? Quoi? Inspecter quoi? Oh! Suivre les traces de traînée au sol? Les traces de traînée. Pardon. Non, c'est pas ce que vous pensez. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne hein, parce que du coup je suis plus armée là, c'est stressant. J'essaye de regarder si je vois des pièces métalliques mais j'arrive jamais à les... Oh putain, j'arrive jamais à les voir.
Je sens qu'il va y avoir un mec parmi ces mannequins. Je le sens bien. C'est quoi ça? Je dirais que c'est mouillé par terre. Vous êtes des vrais mecs ou... Je crois que c'est des... Ah putain, regardez, c'est là comme il tourne la tête, en plus c'est terrifiant. Ah, oh, oh. Ah non, mon arme, mon arme, mon arme. Ah merde, ça y est, je suis plus armé. Ouais, il y a le fusil là-bas, mais il est un peu loin alors. Fais peur. Hein? Quoi? Je suis pas là. C'est pas moi. J'ai rien fait. Foutez-moi la paix. C'est par là-bas de toute façon. Putain, c'est stressant. C'est à gauche ou à droite? C'est par là-bas. Non, attendez, je vais furter un peu de l'autre côté. Il y a aussi, je trouve, une arme ou... Y'a rien. Ramasser porte-manteau. What? Bah en plus, c'est plus puissant que... Bah parfait. Bah c'est cool. Attention, je suis armé d'un porte-manteau. Faites pas les cons. Putain, ils devraient mettre des bonus dans les trucs comme ça, là. Comme tout à l'heure avec l'oiseau. Ils devraient mettre des armes, des flingues. J'aime pas cet endroit, c'est trop grand. Je dois aller par où, là? J'ai passé objet. Oh. Ah, on l'a balancé dans... Trouver moyen de rejoindre le rez-de-chaussée. Ok. Bah, je pouvais pas sauter, non? Ça m'aurait fait gagner un de ces temps. Tu vas pas me dire que mon personnage il va crever d'un saut comme ça, quoi. En plus, il peut tomber là. Putain, c'est flic, hein. C'est plus ce que c'était. Mais attendez, mais comment je descends? Vous êtes sûr que je peux... Ah bah... Ah! Ouh! Quoi? J'ai ramassé une masse, ça a fermé l'ascenseur. Mais je sais toujours pas où je dois aller, hein. Oh putain, il y a un sapin de Noël, quoi. Non, mais c'est creepy, quoi. Noël, c'est creepy, vous voyez. Mais, ouais. Je descends par où, moi? Je comprends pas, je dois retourner en arrière? J'ai pas compris... Oh, alors toi, t'es un vrai. Tiens! Oh! C'était quoi cette position trop bizarre qu'il a faite? Non! Ah, merde, j'ai fait de la merde. Tiens! Taser! Et... Bim! La masse, c'est cool, mais par contre, ouais, les gestes sont vraiment lents à chaque fois. Ah, putain! J'ai eu peur du porte-manteau. J'ai cru que c'était un mec. Je suis complètement pitoyable, au secours. Le porte-manteau, c'est le mal, vous voyez. Attendez, mais je dois aller où, là, bordel de merde? Bordel de merde. J'ai pas compris. À tous les coups, c'était dans la pièce d'avant, parce que s'il y avait des gens... Ah bah j'ai toute ma vie. C'est complètement inné. Enfin, pas inné... Non, c'est pas inné que je voulais dire, d'ailleurs. C'est complètement incroyable. Attendez, mais je dois aller où, bordel? Je ne comprends pas, là. Maqué, maqué. Maqué. Maqué, maqué. Ah! Putain, attendez. Ouf, on y est arrivé, pas de panique. Ouais, donc avant que je sois complètement effrayé par le porte-manteau, je voulais dire que la masse a été cool. Ça, on va l'ouvrir d'avance, ça sera fait. Hop là.
Mec, ça me stressait parce que le geste était vraiment trop lent. Fallait enfin, l'action. Putain, mais c'est quoi qu'il y a par terre? Une feuille? Oh! Putain! Non mais! Suffit! Oh! Oh merde! Non! Non! Aïe! Aïe! Oh, je vais crever! Taser! Putain, j'ai un peu flippé. Oh non, fais chier. Attendez, du coup, je vais aller chercher une petite vie quand même parce que là j'ai bien bouffé. Oh bordel. C'est pas cool. C'est pas juste. C'est pas juste. Oh, regardez cette position quoi. Pas de mec armé comme ça. Ils ont pas le droit. Ah! Aïe! Non mais d'où? Aïe! Ouille! Aïe! Arrête de me taper! Bon, je suis reparti pour aller chercher l'eau de vie. Je suis vraiment désolée, mais... Non, mais passe, qu'est-ce que tu fais, là? Ça, vous voyez, ça, c'est à cause de la masse. Non, non, c'est pas parce que je joue mal, c'est à cause de la masse. Je vous assure. Ok, attendez, je vais essayer de trouver... t'as quoi, toi, comme arme? Y a pas quelqu'un qui a un truc un peu mieux que la masse, là, parce que... T'avais quoi, toi, t'as... Bah elle est où ton arme? Putain mais d'où quoi? Elle a disparu. Trouvez l'ascenseur et suivez les traces de traîner au sol. Oh! Putain on balance des boîtes quoi! Bah, attends j'ai... Il est armé! Bim! Bim! Il tape! Il n'y en avait pas un autre? Ouh non, c'est moi qui rêvais. C'est stressant tout ça. Ah, il est là l'ascenseur. L'ascenseur est là. Attendez. Je fais un petit tour. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je suis sorti de la zone. Ah bah attendez, c'est peut-être par là que je dois aller en fait. Je vais juste faire un petit tour. Car où il y a des bobos. Bonus et j'ai encore perdu plein de vie quoi. Respectez quoi? Qu'il dit lui? Respecter mes fesses, oui. Oui, je m'énerve, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, bah c'est là. Trouver un moyen de passer de l'autre côté. Ah ah. On est d'accord. Tout ça pour ça, quoi. C'est quoi ça? Je vais essayer de faire une petite sculpture, c'est mignon. Bon, bah j'ai rien vu, hein. Il y a une tête de mannequin ici. Bon, alors attendez. Oh putain, ça y est, mon personnage ne court plus. Et du coup, je crois que j'ai pas extrêmement le choix en fait. Faut que je passe par là-bas quoi. Non? Vous êtes sûr? Sauvegarde! Ça doit être par là. Pas de mec armé, s'il vous plaît. Enfin, pas. Ouf! Il doit me rester une balle en plus. Putain! Non mais. Aïe! Ouille! Oh non! Oh putain, attendez, j'ai plus de vie! J'ai plus de vie! Mais crève! Crève! Je suis désolée pour le finish! Encore une fois. Mais là, je suis trop stressée, là, je peux pas. Oh, il y a de la vie, il y a de la vie! Oh! Oh, 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 oh! Ça, c'est génial! Il y a des flingues en vitrine, quoi. Normal! T'avais quoi toi? De toute façon, j'ai bien mieux. Putain, j'ai explosé mon fusil. Hein. Enfin, le manche de mon fusil. Ah, il y a un oiseau mort là-bas. Je l'ai vu. Ok. Ok, ok, ok. Passer bâton. Oh putain. Je dois aller par là ou par là-bas? Ah, y a rien par là. Cette physique elle est stressante aussi. Il est où l'autre? Il est pas là. Ouais, encore de la vie, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ok. J'aurais pu utiliser le taser, j'aurais économisé un peu mes balles, mais
Bim. Oh, regardez la tête qu'il a en plus, quoi. Oh. Salut. Putain, ça y est, j'ai un camp à flèche. Ah, bordel. Oh. C'est... Non, 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 non. Non, c'est pas gentil de faire ça. Arrêtez. Oh, putain. C'est pas cool. Je savais aller où ici? Sauter. Non, j'aime pas ça, j'aime pas. J'aime pas. C'est bien. Il y a un rempart, je crois. Sauter, je l'entends sauter. Attendez, il y a pas un truc là-bas? Ah, puis ce bruit là. Ok, j'ai pété la vitre, mais ça a rien fait du tout. Ok. Salut. Je me casse. C'était un peu flippant. Merde, je suis sorti de la zone de... Je vais pas me faire agresser là. Oh putain. Comme je le sens mal. Ouais, je suis désolée, je parle peut-être un peu moins dans cet épisode, mais... C'est pas rassurant du tout. Ah bah c'est porte-manteau. Non, j'ai mon flingue. Ouais, d'accord. Alors le mec a piétiné ici, ou alors c'est... Non, ça doit être des traces de pas en fait. Mais maintenant... Le corps a juste disparu. C'est quoi ce bordel? Bah... Attendez, il y a un bug là. Bah ouais, mais je comprends pas. Il est passé où? Ça s'arrête d'un coup comme ça, net. What the fuck? Peut-être par là, non? Putain, j'en sais rien du tout. Attendez. Ah, c'est une porte à hache, ça. Ça, ouais, c'est une porte à hache. Bon bah par l'autre côté, de toute façon j'ai même pas besoin de sortir le truc. J'ai pas trop le choix là. De toute façon je vais bientôt arrêter l'épisode ici. Parce que voilà. Ça commence à faire long. Oh putain, oh putain. Mais attendez, il me faut une hache là. Il y a des portages de partout. Vous avez vu une hache vous? J'ai pas fait de hache moi. Je la trouve où ma hache? La merde alors. Il me faut une hache. Il me faut une hache. T'as, tu veux pas mouver ton cul un peu plus vite? Merci. Mais attendez, à tous les coups, j'ai dû louper un truc ici en fait. Parce que c'est bizarre que mon personnage ait fait aucune réflexion. Ah, faut peut-être que... Ah ouais, putain, je suis con. Ouais, mais bon, il dit suivez les traces, là. Je les suis. Non, c'est pas ça? Ah, c'est peut-être pas ça, en fait. Bah non, c'est pas ça. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Putain, je comprends pas. Je suis un peu perdu, là, les enfants, là. Il n'y a rien d'autre en plus. Ramasser porte-manteau. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? C'est un bug ou c'est moi? C'est moi qui suis vraiment nul. Mais il veut pas prendre de photos en plus. Ah putain, eh bah et donc. Ouh, on y est arrivé. Ah oui, elle va comparer avec l'entrace de pied.
Ouais, voilà. Il s'agit peut-être du matchmaker, mais j'avoue que l'empreinte relevée sur le magnétoscope me préoccupe. Bah ouais, ça veut dire qu'il y a encore un autre mec qui me fait chier, quoi. I would if I could, but this part of the department store is flooded. Ouais. His trail ends here. Mais j'ai pas de hache. It might be a long shot, but try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. If there's a body, you should be able to sniff it out. Utiliser le spectromètre pour localiser le corps. Ok, mais vous savez quoi, on s'est arrêté ici, nous. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, le commenter, le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Con James. Bye bye. C'est terrifiant. Oh, c'est terrifiant. Je peux pas passer la caméra. Merde. Attendez, quick save, parce que je chante trop, je vais passer là-dedans, en fait, ils vont me bouffer. Ouais, voilà, exactement. Je ne vais pas plus loin, c'est pas rassurant et plutôt dangereux. Il doit y avoir un moyen. Je ne peux tout de même pas les poignarder un par un. Il me faudrait de...